참 좋았어요. 현대인의 뇌가 선사시대 혈거인들의 뇌에 비해서 10%쯤 작아졌다. 당신들은 이제 사냥도 배짜기도 할줄 모르고 불을 피우거나 냄새로 길을 찾거나 구름을 보며 날씨를 예측할 줄도 몰라요. 당신들은 생활장애자가 되었어요. 그런데 이 생활장애자라는 말이, 아, 참. 원래 그 불란서 말에 있지 않을 거 아니에요? 생활장애자라는 말이 있어요. 조어를 했겠죠? 그렇죠. 그러니까 그 작가도 조어를 하시고 또 여기서 번역자도 번역자도 또 쓰는 거죠. 조어를 예, 하고 Je suis moi-même handicapé de la vie quotidienne, mais par contre, je suis très adapté aux ordinateurs et aux smartphones. Nous avons fabriqué un univers virtuel auquel nous sommes adaptés, et plus nous sommes adaptés à l'univers virtuel, plus nous sommes coupés de l'univers naturel. Par exemple, actuellement, on est adapté à la nourriture chimique et on n'est plus adapté à la nourriture organique. Parce qu'on a, à force de manger des aliments qui sont trafiqués, nos intestins se sont adaptés. Par exemple, le fait que nous ayons des lunettes tous les quatre, c'est la preuve que nous avons besoin d'objets pour pouvoir y voir. Aucun animal n'a besoin de porter des lunettes pour y voir. Nous avons perdu la vue parce que nous regardons dans des distances trop courtes. Et c'est l'adaptation de l'homme moderne. Nous avons perdu beaucoup de qualités, mais pour développer d'autres choses. 자신이 만든 도구를 사용하다가 이제는 도구 없이 일상생활이 불가능해진 인간들. 이런 도구의 의존성은 점점 깊어져 간다. 저도 질문이 있는데요. 이제 기계, 에마슈, 프랑켄슈타인 모두 그렇듯이 어떻게 될까? 이제 뭐 계속 뭐 기계가 이제 뭐 이제 가사 일도 다할 거고 모두 할 거고 뭐. Je crois que l'homme est en train actuellement de fabriquer ce qui va lui succéder. Ça peut être en effet des images, ça peut être des machines ou ça peut être l'intelligence artificielle. L'homme a actuellement les outils pour fabriquer ses successeurs sur Terre et c'est pour ça que cette période est vraiment passionnante. Mais les images ont leur libre arbitre et ça se peut que les machines aient aussi un jour leur libre arbitre. Et c'est pour ça que je dis souvent, après l'intelligence artificielle, le prochain rendez-vous, c'est la conscience artificielle, le moment où un robot, un androïde, prendra conscience qu'il a son propre ego, qui est différent juste d'être un outil des hommes. C'est pour ça que je dis que la conscience artificielle, c'est le moment où les machines vont décider elles-mêmes. C'est comme si le marteau décidait lui-même est-ce qu'il a envie de construire une cabane ou est-ce qu'il a envie de casser un crâne. 인공지능이다 그러면은 지금 얘기한 것처럼 그냥 기계고 그냥 동물이고 이럴 수 있는데 인공의식이라 그러면은 우리의 그게 의식의 확장인지 우리가 그 우리 인간 의식이 그 인공지능의 일부분인지 그 인공지능이 인간 지능의 일부분인지 그런 것들이 경계가 애매하니까 어디서부터 어디까지가 휴먼 지능인가 인식인가를 알 수가 없죠. 그거는 쉽지 않은 일이에요. KBS